La première fois que je suis allée à la Haute Couture Week de Paris, c'était en janvier 2023. Et c'était les 4 jours les plus intenses de mon année. Tellement que je n'ai pas filmé mon voyage. Alors cette année, j'y suis retournée et j'ai tout filmé pour me souvenir de cette saison incroyable. Et aujourd'hui, je suis heureuse de vous partager ce séjour qui a juste été mémorable. On se retrouve pour cette nouvelle Fashion Week qui est la Couture Week. Premier vlog de Couture Week. On va commencer par le meilleur des défilés, Schiaparelli Haute Couture. Il y a possibilité qu'il y ait Nadia Ali, ma photographe préférée. Bon, je m'étais dit à la base que je prenais cette semaine à la chill, mais en fait, si ça commence déjà avec Nadia Ali, je suis gommasse. Bien hydrater ses lèvres et sa peau contre le froid. Complètement dans le déni du mauvais temps. Il n'y a personne. Après, de toute façon, c'est un lundi matin. Souvent, il n'y a personne. La dernière haute couture que j'ai fait comme ça, je m'étais mise tout devant. Mais là, je pense que je vais plus me mettre en mode street style. Donc, pas à la barrière. Je suis stressée, putain. Coucou. Ouais, je sais pas, c'est bon. Contente que tu puisses le faire. Ouais. J'espère qu'il y aura Nadia Ali. Ouais, mais c'est quasiment sûr. En tout cas, c'est sûr qu'elle est à Paris. Et d'abord, elle a passé photo où elle mange des escargots. Je me dis, bon, à la limite, ça peut porter à confusion. Non, meuf, c'est sûr. Et là, elle a mis taxi parisien. Obligé. Jennifer Lopez, non mais elle, pour le coup, jamais pensé la voir dans ma vie. C'est une meuf. C'est Zendaya. C'est Zendaya. Ah, attends, je peux passer là? Oui. C'est la pause déjeuner. Qui a pas envie de faire un truc de malade. Vous imaginez quand même, je mange avec les stars. Et je télécharge mes photos, ça c'est génial. On s'est fait interviewer par voici, encore une fois. Dis-nous la star. Oui, à l'OEV, mais en septembre. Très stylé. Je suis photographe à la Fashion Week. Bien sûr que je me couche à 3h du mat pour finir les retouches. Ah ouais, bien trouvé. Je suis vidéaste à la Fashion Week et bien sûr que j'ai hyper mal au bras à la fin de la journée. T'es sûr que c'est Carla Bruni en voiture de police, quoi. C'est fou. Putain, moi je la reconnais même pas. Hein. De quoi? Mais je la reconnais pas. Je l'ai pris en photo. À travers la fenêtre? Ouais. Ah ouais, fais voir. S'il vous plaît. Là, on peut grave la voir. C'est ça. Bon, on l'a vu de mes yeux. Mais je l'ai grave bien vu de mes yeux par contre. C'est trop belle, ma foi. Mais elle fait grave des fashion week. Hein. Meuf, il y a Lily Van de Kamp. Ah ouais? Ouais. Elle est où? Bah, elle est sortie, mais. J'ai vu de mes yeux, mais c'est impossible. Pardon. Mais elle est grave restée dehors. Elle est grave restée dehors, elle dit coucou à tout le monde. Ouais, ouais, tout ce qui était moiré. Voilà. Kelly! Kelly!
Allô? Je suis en train de rentrer, je peux t'appeler, c'est bon? Mais j'ai tellement de choses à te raconter. Ah ouais, genre c'est un truc de malade. Attends, juste je finis mon vlog. Attends. Pourquoi je suis en zoom? Ah oui, parce que je filmais la meuf. Ah oui, parce que je crois qu'il y a une actrice super méga connue qui est repartie en même temps que moi. Ça y est, j'ai fini le défilé de Dior. Je rentre chez moi. C'était un peu ennuyant, mais j'ai quand même des beaux trucs. Ça y est, je suis rentrée de ma journée. Je vais retoucher mes photos. Oh my god, je vais me faire péter de la pâte à cookies. J'aime trop. C'est vraiment ma comfort food après une belle journée comme ça. Oh, incroyable. 2024, ça commence, mais oh, tellement bien. Genre, mon objectif, c'était de prendre en photo Najali. Et elle a vu mes photos que j'ai postées en story. Et elle m'a dit, oh my god, envoie-moi les photos, je les adore. Je ne m'en suis toujours pas remise. Ah non, vraiment, Schiaparelli, Jennifer Lopez, Nadia Lee, Zendaya, que j'ai loupé, Hunter, Deforia, incroyable. Incroyable, et toutes des amours. J'aime trop mes photos. Mon but c'était de commencer une nouvelle ère en termes de photos et donc d'utiliser le flash. Et oh, merci ma Zoé de m'avoir prêté ton flash parce que j'ai vraiment trouvé mon style là. Genre, enfin, j'avais déjà fait des photos flash, mais là c'est vraiment incroyable quoi. Bref, je suis trop contente là. Genre, depuis 2024, il se passe que des trucs de fou et vraiment. J'ai passé la soirée hier à manifester de rencontrer Najali, qu'elle kiffe mes photos. Enfin, ça marche quoi. Intéressez-vous à la loi d'attraction. Et en plus, j'ai l'impression que ça marche au bon moment. Genre, même si elle vient pas tout de suite, c'est quand tu seras prêt que ça viendra. Et là, ça y est, j'étais prête et tout s'est bien empilé. Il est 2h du matin et je viens juste de finir de retoucher. Je suis toujours aussi lente, ça change pas. Oui, à 2h du matin, je ne suis toujours pas démaquillée. Oh, la tête que j'ai. Voilà, quelle heure de se coucher. Mais avant de se coucher, huile de CBD sur le feu. Pas plus de feu que ça. Je crois que ça me détend.
Non mais quelle journée! Je suis tellement fatiguée, j'ai tellement mal au bras. Donc en gros, je vous explique. C'est trop cool. En fait, j'ai passé la journée avec un styliste, Kyojino, que je suis depuis plusieurs années déjà, et dont j'aime trop le travail de styliste, de DA, voilà. Et en fait, du coup, je l'ai accompagné aujourd'hui pour le prendre en photo au défilé auquel il allait. Donc c'est trop cool de pouvoir collaborer avec lui. Donc c'était trop cool parce que du coup, j'en ai un peu profité pour déjà pour prendre en photo les guests et les célébrités qu'il y avait au défilé, mais aussi pour filmer du défilé parce que ça, c'est quelque chose que je voulais énormément faire, notamment cette année. Bah, écoutez, on est le 23 janvier et c'est fait. Donc c'est nickel. Et en fait j'ai hyper mal au bras parce que un défilé j'ai des j'étais accroupie à côté du podium pour pas déranger les spectateurs. Et du coup j'avais juste levé mon appareil photo comme ça pour filmer. Ça m'a fait hyper mal au bras, mais c'était super enrichissant comme expérience. Alors le premier défilé, genre je discute avec lui machin, et là d'un coup je me retourne et genre vraiment. Mais là, devant moi, là, genre là. Là, je me touche, je vois Bellator, je suis mode. Lauriane, tu es dans un défilé de mode, sois professionnelle, ne fais pas de tête bizarre, agis comme si tout était normal. Et je suis tellement fière des photos que j'ai faites dès le photocall. Parce qu'en fait, sur le moment, je suis tellement sous adrénaline, un peu un milieu entre la panique et l'excitation que je sais pas ce que je fais. En fait, j'ai des trous noirs. Quand tu passes un moment de ouf, genre après t'as des trous noirs. Et après, du coup, je suis en mode putain, je sais pas ce que j'ai fait comme photo. Et après, quand je me mets sur l'autre, je suis en mode waouh, mais j'ai fait ça moi. Enfin, c'est comme si pendant un moment, en fait, tu te transcendais. Tu n'étais plus la même personne. Et c'est pour ça que tu oublies. Parce que du coup, t'as la mémoire d'une autre personne. Tu te transformes en la meilleure version de toi-même. Enfin, pas la meilleure version de toi-même, mais en mode ok, là, faut que je gère quoi. Je suis tellement heureuse, genre là, en deux jours j'ai réalisé trois goals de mon vision board. Ah, pouf, c'est dur ce matin. Oh là, pour ce matin, c'est déjà presque midi. Le programme du jour, c'est Jean-Paul Gaultier à 14h30 et ensuite on enchaîne avec Victor and Rolf à 16h. Par contre, j'ai hyper mal, genre là, et genre vraiment on dirait que c'est bloqué, je sais pas comment je vais faire. Parce qu'en rentrant j'ai un spectacle de danse à préparer. Après je me dis, j'ai réalisé les objectifs que je m'étais fixés, donc je ne mets plus la pression, là c'est bon. La pression est retombée, je suis trop contente. Je suis en train de me faire des petits bagels au saumon. Je vais manger mon bagel. J'ai fait un petit test. J'ai mis mayo, tartare, saumon, ciboulette. On va voir ce que ça donne. Je vais regarder un peu les retouches qu'il me reste à faire. Parce que du coup, le jour 1, c'est bon. Le jour 2, j'ai 7 photos à retoucher. Ça va être très rapide. Donc voilà. Et je serai à jour. Ah, ça fait plaisir. Ah bah, verdict, c'est très bon. Lana Del Rey, je suis choquée. Bon, du coup, au final, c'est pas Lana Del Rey, c'est une drag queen. Donc, bon, voilà, j'ai moins le seum. Faites de l'espace, s'il vous plaît, merci. Ok, marin à droite.
Ça y est, je suis rentrée de ma journée. Donc j'ai bien fait Jean-Paul Gaultier. C'était le bordel, mais ça va. J'ai fait du street style, donc c'est plutôt cool. Après, il n'y avait pas énormément de fashion. Mais moi, j'ai plutôt bien aimé. J'ai fait mes petites photos flash, je suis contente. Et ensuite, en fait, on est tellement resté longtemps que c'était mort pour Victor & Rolf après. Donc là, je suis rentrée et je me suis commandé une pizza. Livraison! Je crois que demain j'ai pas la Fashion Week. Je suis trop KO. Il est 10h du matin et je viens d'arriver au Louvre car j'ai un shooting avec Stella. Je suis trop contente, ça va nous rappeler le bon temps. C'est là que je prenais en photo en 2019 et on rigolait très très bien. Donc là, ça va être le shooting des souvenirs. J'ai tellement hâte de voir sa robe. Elle va être incroyable. Le reveal. Que vient-il de se passer? Encore? C'est totalement fou. Donc, juste après le shooting de Stella, je regarde mon téléphone et je vois qu'il y a Kyo Jinol qui essaie de m'appeler parce qu'en fait, il a un défilé. Mais il souhaiterait que j'aille le refilmer, donc j'étais en ville. Bon, en fait, je commence à tomber malade. Du coup, après le shooting de Stella, j'étais en mode, je vais rentrer chez moi et tout, mais là, je me suis dit, c'est quand même une opportunité, donc j'y suis allée et c'était trop trop cool. Et donc là je viens de rentrer, il est quelle heure? Il est 15h, je suis avec sa petite tisane à la camomille. Voilà, Florian 0, Fashion Week 1. Je suis morte. Donc là on s'est commandé à manger et après donc j'envoie juste les photos d'aujourd'hui. Faut que j'envoie aussi les photos à Stella. Et après je retoucherai à la fin ce que j'ai fait en plus aujourd'hui au défilé. Je suis vraiment très très... Je comprends pas comment d'un coup tu peux être super malade, genre ce matin ça allait, et genre en une journée. Du coup, il est 00h30, je vais pouvoir me coucher parce que du coup il fallait que j'envoie la vidéo. Donc là j'ai hâte d'aller me coucher, j'ai mal partout, j'ai mal à la gorge, j'ai des courbatures, j'ai mal aux yeux là. Je sais pas ce que j'ai chopé, mais il faut absolument que ce week-end je sois guérie parce que j'ai un spectacle de danse à faire, un solo sur scène. Priez avec moi que j'arrive. En vrai, Flash Fashion Week, là, c'était ma plus belle, mais voilà le résultat. Mais bon, je regrette pas. Bonne nuit. J'ai acheté des Doliprane. J'espère que ça va me soigner un peu, parce que là, je suis obligée de sortir. Faut que je ramène le Flash à Zoé. Et après, j'ai une expo, donc... Thank you.
Ça y est, c'est l'heure de faire la valise pour rentrer. Je me suis bien shootée au Doliprane et au sirop, donc ça va mieux, même si je me sens encore malade. En tout cas, c'était la meilleure fashion week de toute ma vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines aventures. Bisous, mouah. Ah oui, et j'ai réussi à assurer pour le spectacle de danse.